Alors, donc nous, c'était le sujet Internet, confiance et limites. En fait, la discussion a très vite porté sur les sites de e-commerce, avec les nouvelles normes qui ont été mises en place récemment, cette semaine, je crois même, pour certifier qu'un avis client, qu'un avis consommateur, que la personne soit un vrai consommateur qui veut vraiment acheter le produit. Et à partir de là, on va continuer à parler qu'est-ce que c'est la confiance dans les sites de e-commerce, qu'est-ce que c'est la confiance sur Internet, qui peut certifier qu'on peut avoir une confiance sur Internet. Et à partir de là, on est parti sur qu'Internet peut permettre la démocratie participative. On a parlé d'intuition, d'intelligence collective, que l'intelligence collective par Internet, ça permet de trouver et de développer de nouvelles idées, de nouvelles théories plus rapidement que juste un groupe d'experts entre eux. On a aussi parlé des différents experts. Qui sont ces experts? Est-ce qu'ils sont vraiment des experts? Comment, pourquoi sont des experts? Est-ce que ce sont juste des experts parce qu'ils nous disent qu'ils sont des experts? Donc, qui sont les experts sur les réseaux sociaux, etc. Et enfin, on a terminé en parlant plutôt d'Amazon. Comment Amazon est en train de tuer le e-commerce, comment Amazon devient un monopole et qui sont en train de s'étendre un peu partout actuellement sur Internet. GAFA exactement, parce qu'il n'y a pas qu'un. Oui, voilà. Google, Apple, Facebook et Amazon. Merci.